Salanga na koka kateo mabena kubuya mbote mina bandeko landa biso na kati ya mission na kombo ya Epouvez Esprit nzambe apambola bino mukolo malamu lisusu tukutana subino lelo nzamba za malamu nzamba za bolingo ndenge atri so pema na bomo hotel ke tukene kopesa merci pana nzambe ilongo na pasteur Charles pour que nzambe na biso asala makambo mine na kati na biso le bi ke nyonso za na pema e komisa nzambe to sambe na kombo ne sumasia eternal notre dieu to pesio merci pour na nyonso za bona biso to pambuli bandeko bazana banda ku balanda biso na makambo makasi bazali ko traverser le boko na nzambe e simba bango e kangola bango la délivrance totale mawana nzambe taisa mana kat na ba na ye nzambe ba na ba ke deliboso ba prospérer ba za la béni na kombo na Yesu Masia na bonde pa na bande ko bazo bela sika oyo bazana makambo makasi na ba mbumo na bango na ba tribunal partout le boko na nzambe talisama na kombo na Yesu Masia amen. Oui, nzambe apambola yo na kati ya mission na biso o misango na biso chaque jour il y a des nouveautés et par la biso maté a sekeza li chaque jour nzambe azo continuer ko songa biso pendant que tout temps a mingi biblia pendant que tout temps tout ça la poussé par le saint esprit mulimo na nzambe ta soma kamuline ko kuma na ndako na lelo lelo to basi ka mutali la tentation d'Adam et Ève la tentation d'Adam et Ève pendant que c'est ban nzambe le ko la discernement sur le blanc ka mutali la tentation comment vous allez attirer tant vous allez ko ko na tentation tout ça attirer yango lelo tentation il y a Adam et Ève tous ont le exemple au fur et à mesure tous ont tous ont pas point belé parce que bah tu belé dans quatre bibles il y a besoin qui va tentation et le tout le il y a Adam et Ève et qu'au son gabar dans un belé va comprendre réellement la volonté de Dieu. Ah ouais, dans la tentation Adam et Ève ils a namukande à Genèse chapitre 3 et je préférerais que avant tout bandango batangi la biso namukande Genèse chapitre 3 batanga ta des versets 1 jusqu'à 2 pour que tout le bas en Zambé quand même quelque chose ici comme tali tentation Adam et Ève batanga Genèse chapitre 3 verset 1 et 2 batangi na komona Isumasia et que son biso tout comprendre vraiment et le qu'une trouve le aussi comme tali tentation Adam et Ève. Genèse chapitre 3, versets 1 et 2. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Bien aimé, toujours mon ah, selon Bible, il est sûr que serpent a zaki nyama, yamae le coule kabanya mae belé, basé na kati a jardin dedans. Mais tout surtout que na ebandeli ya Bible, au moins na mukande a Genèse chapitre 1, verset 28, nzamba lubi na pouvoir, nzamba lubi na Adam na Eve, na personne pouvoir ya ku dominer sur tous les animaux. Est-ce que c'est bien, c'est na zanami ko subi nzavre, il faut en Genèse chapitre 1, verset 28, et trouver le bango banzamba yo kango, balubi, nzamba lubi sa pouvoir na banyama nyos, batuba dirige banyama, Adam na Eve, badige banyama tan na komone. Genèse chapitre 1 verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Tu comprends awa que Satan azaki animal moko ya ya tina mais tomoni awa nzamba lobi ça nzambe après ce qui pouvoir na Adam na Eve ba dominer sur les animaux nyonso ba animal nyonso ya mokia nani ba bête nyonso ba za dominer par Adam et Eve et tozo kama comment Eve ayoka ki Satan tant Satan Eve tant serpent zo solonaye Eve azo kozo ka Satan azo ka serpent et tant wa question o serpent a posé na Adam na Eve eza question moko ya kota sans nzambe lokola nzamba za mabe nzamba loba ki bulia bulia mbuma moko te na kati ya jardin awa donc et pourquoi il a posé question bongo et tant Eve amona ki question ya ki hésité ya ko et tinda ki parce que posa moko boye a te sans nzambe lokola nzambe aza pesa malamu te est ce aloba ki penza aloba ki penza donc dinga ba musu ba ya ka yo kanisi ya makama malamu zo kande eza ndenga mabe mais Eve aussi akwa ko yo ka yete parce que il y a za nyama oyo fait à dominer c'est la tawana le topusani batangi na verset 2 et 3 et 4 batangi comme ça verset 3 et 4 mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit
vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Si tu souviens la carte de Genèse, tant on zambazu sur la Adam na Eve, na Adam na Eve, na Adam na mukande à Genèse chapitre 2 à partir verset 17. Au moins en zambé atalisi Adam que zété ou na verset ça veut dire zété ou ya kouyé ma bena malam ou yo koulé angote. Alors ayona Adam azaki moko Eve na na yakite avant Eve aya. Mais tout le monde a aussi que Satan t'a envoyé dans le jardin d'Eden. À cause de na Eve, liboso abandi ko talisa comme si zambé azali penza liboso pisan poussé à koulé en zambé va qui boulia bambou manioso bien boulia mbou mususute apesa ngugu ya kolia apesa ngo bazui moi curiosité moko boye bazui la soif de connaissance boye ba bozwa pe mayele pourtant que nzamba apesa banka banda kala ke nzete wana zaki pona koyeba mabena malamu et tout mona awa tango Satan asona Eve azo ave mami nzambe ayebi que bokufa penza bokufa te c'est-à-dire Dieu sait bien nzamba ebi malamu. Donc nzamba za lukuta nzamba ya bino nzamba lukuta donc akomisi nzambe makamwanza makambo ya mabe ya lukuta yokandenge session ekoko yake nzamba komi lukola za mabe za motema be za nzamba lukuta ayebi nzamba za egoiste ayebi ke soki boli boko lukola ye abanga abanga bino boko lukola ba nzambe ozumuna soki boli pe boko pe makambo boko za pe libre boko za pe autonome muni pe mbuma oyo boko pe ba nzambe lukola ye directement Eve, le bosso tango azo pesa réponse, azo pesa réponse que nzamba lobaki tolia to simba pete mais nzamba lobaki ko simba te ka kolia te soko bolé boko kufa. Mais est-ce que zo bani nzamba lobi to simba ta pamba te, c'est-à-dire Eve déjà depuis Adam et Sarah makambwana ya mboma wana banda ba yibisa ki abanda ko yoko ko sepela na ngote, c'est-à-dire Eve déjà il avait cette envie là. Et on ne tout temps mon candidat intime dans Jacques chapitre 1 verset 13 à 14 dit que chacun est tenté tant quand il est attiré et amorcé par ses propres désirs. Donc ses propres convoitises. Alors ba convoitise c'est ça que j'en Eve, il avait déjà l'envie de manger le fruit. Il entendait seulement que le serpent aya pour qu'il coquille sango parce que l'engagement est déjà. Il a qui m'a bêté en osant répondre Satan. Le bito simbatate. Ok. Donc il y a le camp de la bise au libosso. Et comment est-ce que Satan a bandé pour expliquer ce que Eve mouni Zambé aye bi malam. Ok. Zambé lukuta aye bi ke. Ce qui voulait beaucoup le cahier na makasi. Ah l'inga Zambé zo banga. C'est comme ça qu'il a présenté un Dieu comme Dieu azaki méchant n'était pas bon. Il a fait que tant on va couler en bouma oyo ba couler kaina mayele ba ba kokoma lokola ye Zambé zo banga. Tout ce que tout le monde a que ce qui a fait que la femme tant au monde ngona et c'est pelicier ce que na verset si ça veut dire que Satan Adam a moni Eve a moni mbuma na miso asika abi oh mbuma iza kitoko pona kolia pe ko bakisa mayele. Alors ça dit Eve a eu poussa ya kozo mayele ba kota miso verset wana ba tanga 5 6 okumuna koma Eve atanga azumuna mbuma sima langage a Satan oka Eve a moni mbuma soki komi kitoko pona kufungula miso kufungula mayele batanga yango komuna po iso se wana nzambe ke eloko bazo pinir et le pas premier zakaka ya mbuma kolia mbuma te l'intention Nini et Tinga Bali Mboma, la désobéissance à la parole de Dieu, l'envie, il y a Koumouna Nzambe méchant, mauvais. Alors, Tangi Libiso, verset 5-6. Genèse chapitre 3, verset 5 et 6. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Mais toujours mon awa tango Satan a dit que bino nzamba yebi ce qui sont que beaucoup les ango beaucoup mal beaucoup la banzambe beaucoup la maille beaucoup la laise beaucoup faté la nzamba monte le kuta. C'est comme ça que Eve accompagne nzamba dans le kuta. C'est-à-dire Eve a manqué nzamba respect nzamba abing nzamba le kuta. Il avait accepté, il était devenu complice avec les serpents. C'est pourquoi il a pris le fruit, il a mangé. Tabi atali mbamuka fungula miso asika. Abi oh, ezaki toko pona kolia pe kufungula mayele. Azui pona koyeba pe kokuma pe nzambe. Il a pris ça, il a mangé, il a donné à son mari, l'autre aussi a mangé. Ça prouve que
Ce qui s'est passé dans le jardin d'Eden, la désobéissance à la parole de Dieu, tout ce qui sur l'ordre hiérarchique, le renversement, l'ordre était renversé parce que nous avons dit que là, qui dans Genèse chapitre 1, à verset 28 à l'obi, n'a pas tout bas dirigé par Nyama. Et tout ce qui est tout comme Awa, Eve, Azoto, sa Nyama. Satan, Aya qui dans le quoi, serpent, Awa, Aza Nyama. Babi, il était l'animal. Alors, à ce moment-là, c'est l'homme qui dirigeait le serpent. Alors, le serpent, il y a Samakolu, il y a Moutou, mais l'homme, au lieu de diriger le serpent, lui, il a écouté le serpent. Alors, la femme a écouté. La femme aussi n'avait pas cette autorité d'écouter le serpent. Il y a qui, ah, mais maman, il n'est pas mon bal naïe. Ah, oui, je vous ai écouté, je vais appeler mon mari quand même. Il est à côté de moi. Il y a Adam, au lobini, il y a comment ce serpent à Zoloba. Eve a bouillé diriger, il a commencé à diriger son mari. Il a pris la décision sans avoir demandé la permission de son mari, qui était son chef. L'Ève a pris les fruits, il a mangé, il a donné directement à son mari, et l'homme, il s'est laissé diriger par sa femme, homme mokolache. Ce qui a fait aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui se laissent diriger par leurs femmes. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui écoutent les animaux, qui écoutent des bêtes. Bien aimé, nous avons si vous avez même dans Moukil, dans tiré à Moukil depuis Makambo Salami, Batoubazan a tendance à Koyoka Banyama, Koyoka Banzete, Koyoka Mabele, Batoubazan a poussé à Koyoka Nzambete. Vous pouvez voir les gens, Azafoukamili Bossi en Zete, Azo Bang en Zete, Azo Yoka en Zete, en Zete Loba Yoka. Moutou, Afoukamili Bossi ya Nyama, Romain, on a le chapitre 1, à partir de verset 23 Lobi, Batoubatiki Kolanda Bonzambé, on doit avoir temps pour lire ça, Batiki Kolanda Bonzambé, Bakoumanda Bonyama. Eve ayoki nyama. Satan azaki animal. Ayoki animal. Oyoka nzambe. Aboyoka nzambe. Atosi animal. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Combien de gens, bazo continue koyoka ba nyama, na place oyoka nzambe. Bazo ka ba serpent jusqu'à aujourd'hui. Bazo ka ba loup. Bazo ka ba loup. Bazo ka nzambe te. C'est pourquoi azomona. Jusqu'à aujourd'hui, Mamozo continue. Et Eve, au lieu de se laisser être dirigé, il a préféré diriger son mari. Bien aimé, tant que mon bali, comme il ne dirige pas moi, si déjà c'est fini, Ndakwana et Kouina, le Kouana Adam, Eve dans le jardin d'Eden. C'est pourquoi azomona, Nzambe à l'Ubina, dans le mariage, c'est l'homme qui est le chef de la famille. La femme, soyez soumise à vos maris. Et aujourd'hui, les femmes ne veulent pas être soumises à leur mari. Ils prennent le devant, ils commencent à diriger leur mari, ils commencent à diriger leur maison. Pourquoi? Parce que Kouana Kati a l'Ubina. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans votre famille là-bas. Qui est en train de diriger la famille? C'est la femme ou bien l'homme? La Bible dit que c'est à l'homme de diriger. La femme, c'est l'aide semblable. Et la femme n'a pas voulu être encore l'aide semblable. A commis si mon bal est semblable. Elle est dirigeante. Alors, c'est ce qui s'est passé. Et dans le cas du jardin d'Eden, le bébé, c'est qui va renverser ça qui ordre. C'est jusqu'aujourd'hui ce qui se passe. Les gens continuent à écouter des bêtes, à écouter des animaux, au lieu d'écouter Dieu. Et c'est ce qui se passe jusqu'aujourd'hui. Les femmes en train de diriger leur mari. Au lieu que Mobal a dirigé moi, il y a des hommes aussi faibles, lâches. Bien aimé, les lâches n'entreront pas dans le royaume des cieux. Il y a des versets, un jour je vous les donnerai. Qu'il y a des hommes aujourd'hui lâches qui se laissent diriger par leurs femmes. Et c'est ça le contraire de la volonté de Dieu, renversé dans la volonté de Dieu. Je crois que mon frère Azad Jean a versé. Il y a Romains chapitre 1, verset 23, à quitter jusqu'à verset 25. Vous verrez comment Batubaza a renversé ordre à Mokili. Il y a adoré Biloko, il a changé mouvement. Moi aussi, c'est ce qui s'est passé depuis le jardin d'Eden. Mobali a dirigé, moi, ça a dirigé Mobali. C'est ce qui s'est passé. C'est aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui. Moi, c'est à Bali, moi aussi. Mobali a balé Mobali. Tout ce qui se passe maintenant. Le bâton, il y a comme ça, s'arrête. Romains chapitre 1, versets 23 à 26. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Écoutez, comme mon frère vient de nous lire, est-ce que vraiment, changer nature
Ils ont changé la nature, ils ont adoré les créatures au lieu d'adorer Dieu. La femme a préféré écouter la voix et prendre le serpent comme son maître. Maintenant, le serpent se dirigeait, faites ceci, il l'a fait facilement sans problème. Il a été dirigé par le serpent. Et c'est pourquoi, le pire, ils ont changé les mains du monde, ils ont adoré, tout ça, c'est ce qui se passe. Des oiseaux. Alors, c'est pourquoi ils n'aiment pas prier Dieu. Et c'est ce qu'il avait tenté de montrer, que c'est depuis le jardin de Dieu, c'est qu'il est tenté de continuer jusqu'à aujourd'hui. Le Bible préférait quoi adorer, dit que là, on a placé en Zambé. Voilà, ils ont changé l'ordre. Même que c'est déshonoré, même les autres, vous trouvez la femme qui s'est mariée avec une femme, l'homme qui s'est marié avec un homme, et c'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Vous renversez l'ordre. Si dans votre famille, l'ordre est renversé, ou nous en battons que l'homme va diriger à son mari, et vous trouvez déjà que c'est fini, cette église, cette famille, et ses bébés. C'est comme déjà Nakambouya, jardin d'Eden. Moi, je me demandais que Eve, tant qu'il m'a sauvé, et le mot d'un serpent, Matthieu chapitre 4, verset, ça dit que arrête-moi Satan. Je vous ai écouté quand même, je vais quand même rapporter ça à mon mari. Alors, il pouvait quand même dire ça à son mari. Parce qu'il disait, ok, soumettez-vous donc à Dieu, comme Jacques le dit dans le Jacques chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, après restez au diable. Si Ève, elle se soumettait volontiers en Zambé, et à côté de sa mobile, à ce moment-là, il allait avoir la capacité de résister au diable. Mais comme Ève, il avait préféré diriger, il y a combien d'Ève aujourd'hui dans des familles? Beaucoup d'Ève en train de diriger leur mari, et c'est pourquoi ils basent même dans un moment très difficile où il y a que Makambo et qu'on complique les bango Makasi. On va voir, mon frère va voir dans le livre de Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, après, vous voyez jusqu'à verset 18, vous verrez pour vous montrer que Nzambe a le bakina Ève te Makambo ya koliamboma. Dieu ne connaît pas, n'a pas parlé avec Ève. Et Ève, quand au moment où nous avons dit qu'il y Adam, Ève n'était même pas encore là. Alors Ève est venue après. C'est Adam qui avait prêché à Ève de que Makambo Isaboy. Mais je me suis demandé comment Ève, où il prend la décision maintenant de demander de manger le fruit sans l'accord de son mari. Batan Genèse chapitre 2, verset 16. Oui. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. 18. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Vous écoutez bien aimé, Dieu a d'abord parlé avec Adam, il a demandé de ne plus manger l'arbre. Après, il s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est Adam qui avait rapporté cela à sa femme. Alobaki, Dieu l'avait tout dit. Mais Satan a eu dans l'oukouta. C'est ce qui se passe aujourd'hui, mon frère. Combien de gens baso kate lukuta à Satan. Satan a même mis mensonge à la place de la vérité en train de prêcher les mensonges. Les enfants de Dieu, il faut bosser la attention, bosser la keba. Satan a yé pour la kucha. Orgueil na katia mutu a mutu a comme Nzambe. Bien aimé, l'homme croyait qu'après avoir mangé le fruit, il devait devenir un dieu, mais ce n'était pas vrai. L'homme était créé à l'image de Dieu. L'homme sans Dieu n'existe pas. Et pour voir l'homme, il faut qu'il nous embatte le mandat de mon image en nous. Alors c'est comme la ligne, c'est comme l'image, il y a 100 ans à 4 mai. Au moins que 100 ans est là. Ce qui est 100 ans est long, au moins l'image à 100 ans. Alors l'homme se croyait être, cherchait à devenir illimité, être capable de tout faire de lui-même. Mais l'homme ne peut pas faire de lui-même parce qu'il était seulement l'image. Dieu avait dit clairement qu'on va créer l'homme à notre image. Ce n'est pas dit que l'homme comme l'homme, l'image, c'est-à-dire il va seulement représenter l'image de Dieu. L'homme n'était pas Dieu. Il était quasiment à l'image de Dieu. Et le lingui en Zambé. Alors l'homme avait compris que quand Dieu est quitté,
se trouva qu'est-ce que mutaka pourtant étant bagla bango bazaki mutala baye bakite baye ko trouver que bazaki ko bazaka ka batu mutaka la bazange loko. Alors faut faire attention et il faut pas changer l'ordre hiérarchique. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On a lu ça dans le Romains chapitre 1 verset 23 où vous trouvez que on va tout changer ordre hiérarchique ya mukili et ba renverser ordre ya bonzambe nzamba lobi et za la boye ba tobi te za la bomote. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est un point beaucoup sensible, mais je peux vous le dire. Ce que tu as dit depuis Mukile Banda, depuis que Jésus-Christ a commencé son ministère, mais c'est vrai, c'est la vérité. Il n'y a pas des apôtres d'âme, il n'y en a pas dans, dans la Bible. Mais aujourd'hui, il y en a. Il y en a à Bayewapi. Qui les a envoyés, qui les a donné cet ordre? Pentecôte, tout le monde était là. Oui, après tout ce monde-là, il y a un peu d'apôtres, Azate. Alors c'est pour faire comprendre aux enfants de Dieu que les gens ont changé la nature du monde, ils ont changé les mécanismes. Nous, on vous dit que c'est une vérité, ce qui se passe aujourd'hui dans la famille. Et la Bible dit que c'est l'homme qui est le chef de la famille, ou maintenant ce n'est pas l'homme, maintenant c'est la femme qui dirige son mari, c'est pourquoi les difficultés dans la famille Makas. Dans l'église de Dieu, Dieu avait dit qu'il y avait des apôtres, Dieu n'avait pas encore mis les apôtres d'âme, aujourd'hui il y en a déjà beaucoup, ce n'était pas dans la volonté de Dieu. On se demande, mais même l'apôtre Paul lui-même avait dit que la Bible dit, Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner de prendre l'autorité sur l'homme. Et la femme pouvait enseigner seulement les femmes. Mais aujourd'hui, ils ont ça automatiquement partout. Ça s'est fait. Tout le monde a mis cela. On dira quoi? Vous changez ordre. Tant que vous changez ordre, vous avez compliqué ma campo. Dans mon candidat, Jean chapitre 1, verset 12 à 13, le dit, mais tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1, verset 12, mais tous ceux qui l'ont reçu, ils donnent le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient à son nom. Et bateau, bateau, quoi, Nanzambé? Ils ont besoin de pouvoir devenir enfant de Dieu. Et quand on dit que quelqu'un est devenu enfant de Dieu, c'est-à-dire devient un petit Dieu, alors il devient un enfant de Dieu et toutes ces choses lui sont soumises. Parce que, Babi, nous avons le pouvoir, bien aimé, attendez, dans mon candidat, Luc chapitre 10, verset 19, pour voir que les enfants de Dieu ont le pouvoir sur les serpents, ont le pouvoir sur les scorpions. Mais aujourd'hui, comment les enfants sont en train d'écouter encore des serpents? Vous écoutez les, pourquoi vous écoutez les serpents? Et ce n'est pas bon, c'est pourquoi mon apôtre Pierre, pourtant Jean-Baptiste, il y a qui a le bat les gens, race de vipères. Quand vous écoutez serpent, vous devenez serpent. Alors c'est ce qui est très dangereux. Alors, Batangi Bissona, comme ça s'arrête, Luc 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Écoutez comment Bibizoba, nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents. Quand on parle des serpents, c'est les serpents là, les démons. Ce n'est pas les serpents ici. Il ne faut pas aller à Kouyanazo ou Kouyanata serpent. Ça serait grave. Les serpents qu'on parle, ce sont les serpents spirituels, ce sont les démons. Et même le Satan lui-même, c'est Okina Mukande, il y a c'est Psaume 91. Psaume 91, à partir du verset 14, Balobi, parce qu'il m'aime, je le délivrerai, Abi, au foulé au pied. Et nani, Satan, le diable, le dragon, au Kounyataye, au Kounyatabankoyo, Satan rôde comme un lion, mais tout, au Kounyolio, Satan, au Kounyatamo, le Léki. Et ça, il est au Kounyataye, même dragon, au Kounyataye, au Léki. Parce que nous avons ces pouvoirs. Nous sommes les enfants de Dieu. Mais pourquoi vous, les enfants de Dieu, vous écoutez toujours les serpents? Il ne faut pas écouter les serpents, vous êtes un enfant de Dieu, vous devez écouter ton Dieu, le créateur. Vous devez écouter le créateur. Tentation, il y a un jardin, Adam et Ève, ils allaient renverser aujourd'hui, ils allaient baser la vie à Bayaban en Zambé. Écoutez, c'est un Bayaban en Zambé, en général, ils sont tombés textuellement comme Adam et Ève à Salakiango. Parce que Bazulanda Zélé a koyoka serpent. Alors, Zoumouna Mukandia, Matthieu chapitre 7, verset 14, Komuna Batangilipsongo, pour Komuna Zambatiste, Koma Banyama, Balati Posuya Bameme, Banyama Balati Posuya Bameme, c'est-à-dire Badanger Banyama, les races des vipères, Balati Baposu Moussous pour amener l'évangile à vipères, Batangila comme ça s'arrête, Zana Mukandia, Matthieu 7, verset 15. Matthieu chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au dedans, ce sont des loups ravisseurs.
Balobi, gardez-vous des serpents, des faux prophètes, ce sont des loups. Gardez-vous des loups, ce sont des animaux qu'il faut dominer. Les loups, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas écouter les loups. Bien aimé, écoutons les loups, nini, balobi, ce sont des faux prophètes. Ce sont ces animaux-là. Les serpents-là, aujourd'hui, ce sont des faux prophètes. Ce sont des faux pasteurs, les gens qui sont venus pour combattre l'œuvre de Dieu. Sur Matthieu 24, balobi, plusieurs faux Christ s'élèveront et feront des miracles et des prodiges. Plusieurs faux prophètes. Bien aimé, toutes ces choses qu'on a écrites dans le Matthieu 24, aujourd'hui, la Bible nous demande de faire attention avec ces choses. Ce sont des serpents venimés qui cherchent à nous piquer l'air venin, le colibri dans le jardin d'Eden, ou bien qui Adam à Eve, bah, on va perdre vie. Mais les serpents, il faut faire attention avec les serpents, à Kendakan gauche, droite, sur Kébité, Azio. Alors, tout le monde a balobi, gardez-vous de ces gens-là, ils sont gauche, droite. Il se fait comme des brebis, serpents, il fait brebis. Loup, donc il est ni loup, donc ni chaud ni froid, on comprend pas ces gens-là. Balobi, Baziaka, Yesalobi, Okuba, on a un bon manabango, Bazan, un bon mamabe, Bizalimabe, il y a impudicité, il y a mensonge, escroquerie, vous verrez que ce sont des loups. Alors, dans le livre de Actes, chapitre 20, verset 29 à 30, Bakotang Labiso, vous pouvez comprendre comment discerner ces loups, ces serpents, les bêtes, ou Batoazo Katilelo, pour exemple, Balinto Kababete, Abito Kabanyamate, Abito dominé Banyam. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Tomoni akuba apôtre Paul azuba awa nebiki ba simalanga ba nyama mabe ba mboya ya zamba ba kokota bien mais on appelle les mboya zamba ce n'est pas ba mboya zamba ya normal ya esprit ba bi ba mboya zamba ba kokota pona ko baby sa eklesi ya nzambe bien mais koyoka ba mboya te koyoka il faut pas écouter les loups des animaux non ba tu koyoka nzambe koyoka ba nyama ba pona nini ba bi c'est introduit après moi des loups ravisseurs ba ya pona ko botola ko baby sa brebi bergerie baby si bu minyama. Donc il faut faire attention. Et nous on est considérés comme des brebis. Alors balou bazouya pour nako baby ça pour détruire. Apôtre Paul lobi, ils s'introduiront par moi parmi après moi des gens qui vont enseigner des maté à l'okuta ou kubungi sabatu, des doctrines ya bondoki. Donc ces gens ce sont ça des serpents bangwana. Ce sont des animaux bangwana. Bah il faut dominer sur les animaux. Dominer sur ces gens-là. Il faut pas les laisser te diriger. Ils sont venus avec leur message en démon. Apôtre Paul lobi, les gens qui vont enseigner autre évangile que ce que je suis en train de vous enseigner. Alors ces gens-là sont des loups, sont des serpents. Il faut faire attention. Nous arrivons, nous avançons. Et pourquoi Yesu Azul Bangon, Mukande, Matthieu 24, avec des loups, il ne faut pas aller là où se trouvent des loups. Il faut refuser, ne les écoutez pas. Écoutez Dieu, écoutez Jésus-Christ. Vous avez la Bible. Vous connaissez la vérité. Parce que vous allez à cause des miracles. La Bible dit qu'ils feront des miracles et des prodiges. Eh bien, il faut faire attention. Tout ça, dans Matthieu 24, verset 23 jusqu'à verset 26, vous verrez que Jésus-Christ a dit qu'il est toqué dans le loup, tout le monde a faux Christ, faux pasteur. Il faut faire attention avec ces gens. Ce sont des serpents venimés. Ils sont qui battent. Ils sont qui battent. Boum, au côté de la moto, il y a enfer. Il faut faire attention. Tu dois devenir commandant Ève. Au quoi ils se sont à cause de ces loups en ravissant. Matthieu chapitre 24, verset 23 à 26. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. C'est pourquoi il est sur le bus. Si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ce sont des faux Christ, des serpents. Il faut faire attention. Ils ont d'autres messages que le message biblique. Oyo, tout ça n'a pas. Mais mes messages, mon souci, c'est que mon frère, Dieu soit disant, ça pense que le message n'est pas dans. Tu vas des messages à Sika. Combien de personnes ont le même message à Sika? Les révélations à Sika. Il faut faire attention avec les révélations à Sika.
Il faut faire attention à la révélation. Frère, aux yeux de révélation, ils ont la Bible. Bomba, wana, kende, bomba, yongo, bomba, on a d'accord, on a bino. Révélation, c'est dans la Bible, ça ne vient pas de Dieu. Ils ont la révélation, il y a un serpent. Il faut faire attention. Alors, Abi, ne les écoutez pas, n'allez pas, ne vous approchez pas de ces gens. Ce sont des loups, ce sont des serpents. Et il faut dominer, refuser, résister. Le diable fuira loin de vous. Alors, il faut faire attention. Aujourd'hui, il y a combien de loups et de serpents en train de maudire soit qui Ève, apôtre Paul, Péazo, confirmant, chapitre 11, pour vous montrer que mon frère, il faut faire attention. Il y a des loups partout en train de chercher à maudire les gens. Ce sont des serpents venimés. Il y a un message à mensonge. Venez démoniaque, na kat. Vous laissez la vérité, vous marchez dans les mensonges. Balunguli, pas si on se sent que les délivrance, c'est sur ma boîte qui en gobe, mais délivrance, c'est à ma foutre dans un film. Bamilo, délivrance, c'est à ma moto. Il y a Mungwa, c'est le pouvoir. Bapesho, mais les Mungwa, Babi, c'est dans ce pouvoir. Balunguli, le pouvoir, on se sent que c'est à la tinaté. Bapesho, ma foutre, oh, tiens, c'est un kit. Ce que tiens, c'est un kit au commun. Venez, mais ce sont ces gens-là. Débat, c'est le pas en abaye. Balunguli, message, il y a un zambé, il y a protection divine. Bapesho, message, il y a mensonge. Il faut faire attention. Et Batangi, il y a un combat, c'est Massia. Dès qu'on tient chapitre 11, verset 2, car je suis jaloux de vous d'une jalousie des dieux, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Tout le monde, oui, tout le monde, ah, le bosso, apôtre Paul, a regretté, a bien, a zoua, pour la fiancée, bien, on a moutou, mon coyer, ce massia. Alors, ben, a bien, a zoua, parce que le serpent cherche à voler. Il cherche toujours, tant que mon aki, Adam et Eva, et c'est mon âme, lui, il a cherché à faire quelque chose, à ma bé. Alors, en zamba, apôtre Paul, le bino, on a zoua, parce qu'il faut faire attention, on va attendre deux versets encore. Versets 3 et 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Alors, il faut faire attention, il faut faire attention, il faut faire attention. Apôtre Paul, le col dans le jardin d'un serpent a séduit qui Ève. Dans le banga, vous avez séduit. Pour le serpent a été séduit, il a été séduit. Il qui est le serpent, c'est expliqué en disant ce qui est le monde, il y a un évangile, en dehors, il y a une Bible, il y a un serpent. Abi mutu muso aina evangeli aina muli mu muzusu bien aimé muli mu ya nzambe za otumula lelote oy ko muli mu ya bondoki ya makododo muli mu ya trois esprits impurs de grenouille de apocalypse de tumula lelo babi muli mu na nzambe ekoza batu bakabi soki mutu aimé muli mu muzusu akomi muli mu na ye oyo etosaka makambu yezo stiza biso saint esprit azo diriger batu biso tout saka saint esprit mais muli mu muzusu yo banda ko diriger yango alors bien aimé il faut faire attention aujourd'hui to muni ba église a muli mu ekomi belé ba église ba angelo et côté belé ba to kota ngata église muli mu ezo ba chakbra bla 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 faut faire attention abi si on vous amène d'autres évangiles oyé za oyo tenez l'écoutez pas ne le suivez pas. Bien aimé, le parlant langue, tu as un acte, tu as un acte, tu as un acte, tu as un langue, tu as un acte, tu as un acte, tu as un acte, tu as un acte, faut faire attention, ça vient d'où? Il faut éprouver les esprits, il ne faut pas seulement croire et écouter toutes choses, non. Alors il faut seulement éprouver les esprits. Bien aimé, il faut se demander, vous êtes conduit par quel esprit? Hier soir, le bien dans Matthieu 24, il s'est dit dans Matthieu 24, à partir de 25, le verset 5, il n'a pas atteint la verset. Parce que verset 5, verset 5, c'est base à prédication. Bien aimé, vous avez donné quelque chose que vous ne comprenez pas, peut-être. Vous n'avez pas dit que vous avez dit que vous avez dit. Bien aimé, il y a des prophéties, il y a esprit de Python. Vous voyez, esprit de Python, esprit de serpent, Python, donne des prophéties aux gens, des prophéties, et tout. Alors, il faut faire attention. Tu peux être conduit par les démons comme ça avec des prophéties à serpent ou quoi il y a à faire. On lit bien d'abord le verset, dans Matthieu 24, verset 5, Robin, papa, dans le verset 5. Matthieu 24, verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Écoutez ce que Jésus-Christ vient de nous dire.
Plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ. Ils se diront beaucoup de gens. Bien aimé, il y a combien de gens, il y a plusieurs Christ aujourd'hui. Bah, plusieurs viendront sous le nom de Jésus-Christ disant que c'est lui le Christ. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de Christ. Il y a Jésus-Christ de Mandaka, de Kinshasa, de Christ de Kasai, du Kasai. Il y a Jésus-Christ de Lumbashi, il y a Jésus-Christ des États-Unis. Il y en a beaucoup de Cameroun, partout il y a des Jésus-Christ. Il y a des Jésus partout. Mais plusieurs viendront sous mon nom. Mon frère, moi, je connais, il y a beaucoup de Jésus-Christ. Mon frère, il y a beaucoup de Jésus-Christ. C'est moi, Dieu. Il y en avait même ici. Mais il faut faire attention. Il y a beaucoup de Jésus sur la Bible qui sont sous mon nom. Avec leurs esprits, avec leurs prophètes. Les prophètes dans verset 11. Maintenant, il y a plusieurs faux prophètes. Maintenant, il y a les prophètes des de faux Christ. Alors, il faut faire attention. Vous êtes conduit par quel esprit? Vous vous laissez diriger par le serpent comme ça, sans le savoir. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Oui, oui, c'est les serpents, les animaux là. Il faut faire attention avec ces animaux. Il y a un mouillé sur le bin, vous ne les écoutez pas. Apôtre Paul et Oazo le bas. Il y a un animaux où il y a soit qui dans le jardin d'Eden, soit qui dans le Eve Makambou. Et à Kousabino Makambou. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces serpents, bien aimé. Il faut faire attention. Et papa, je continue à verser. Si tu as un chapitre 11, tu as continué. Pour l'écouter, c'est pas dans un mec. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de faux prophètes qui se sont déguisés en apôtres de Christ. Il faut faire attention. Et aujourd'hui, ces gens-là, ils amènent d'autres évangiles. Tiki message en Zambé. Frère, message à ce que nous avons dit. Tika message à ce que nous avons dit. Tika message en Zambé. Tika, Yesu Masi, Tika message, parole de Dieu. Baba qui s'attend à la Bible, pas l'ongulaté. Pourquoi tu ne veux pas qu'il s'attend à la Bible? Il ne faut pas y ajouter, bien aimé. Zambé, qui s'est en ma case. Batan, ils sont en communauté sans arrêt. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 5 et 6. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Apôtre Paul, c'est pas truc. Donc, tant que nous avons ils étaient parce qu'ils font le bon anglais. Dans le français, dans le banal allemand, tout ça non. Mais ne fût-ce que connaissance et la parole de Dieu, apôtre Rabbi Nazan a connaissance la parole de Dieu. Vous pouvez connaître d'autres langues, oui, mais la parole de Dieu que nous prêchons, c'est la parole de Dieu. C'est écrit dans votre langue maternelle. Bien aimé, vous êtes de quelle tribu? Au commun, la parole de Dieu, ils ont la tribu, ils ont commis. Prenez la Bible dans votre langue, lisez, vous allez comprendre. Et apôtre Rabbi, ce n'est pas à cause de la connaissance, ce n'est pas parce qu'on a fait beaucoup de. Ce n'est pas parce qu'on a fait beaucoup de. On a beaucoup de diplômes de l'université, c'est pourquoi on est trouvé. Non. Apôtre Rabbi, il avait la connaissance approfondie dans la parole de Dieu. Et Dieu l'avait choisi pour faire ce ministère. Alors c'est pourquoi à Banzambé, il faut faire attention. Et ceux qui tiennent à ce qu'on a vu, c'est dans la leçon des faux prophètes déguisés en apôtre de Christ. Parce que Satan est mon coup à se déguiser en ange de lumière. Il faut faire attention. Alors c'est tout ce que je vais à vous dire, que dans le jardin d'Eden, ce qui s'est passé premièrement, le problème d'abord, c'est parce que la désobéissance à la parole de Dieu qui s'est passée comment? La femme devait d'abord devait diriger les animaux. Il s'est laissé diriger par les animaux. Alors c'était déjà quelque chose de très grave. La femme devait écouter son mari, mais lui, il a fait. Il a parlé à son mari. Mobaïnde Moutoualinga qui a l'obé à moi, si, mais on regarde que c'est comment c'est la femme qui est en train de diriger son mari. Tout le bien, il y a un peu de temps. Et tout ce que je suppose que c'est pas dans Zambé, qui est tentation, il y a Adam et Eve, et Zali Koutas, c'est le son Makamomine, pour tout Fungula Miso. Et Nakati, il y a bon, il y a famille, Zamba Lengi, Moubali a dirigé moi. C'est le lot dans d'autres familles. Les femmes, les hommes sont devenus des lâches, ils sont les célestes dirigés par leurs femmes. À ce moment-là, et quoi, il y a un bébé ici pour renverser l'ordre dans Zambé. Zamba Lengi, Moubali a dans la Moukounzi Alibota, tant qu'on a fait un chapitre 5, au Kumon Ango. Au Kumon Zamba, c'est que Moubali a dans la Moukounzi Alibota. Et aujourd'hui, c'est sur au Kumon Alé, ma famille est belle, la femme est en train de diriger l'homme, ce qui moi ça se dirige yo tu n'es même pas digne encore bébé parce que ce qui quelqu'un qui est dirigé par sa femme ne peut pas diriger l'église, ne peut pas même être un pasteur. La Bible refuse même aux gens qui se laissent diriger par leur femme de diriger l'église. Tant on a un candidat Tite au Komunango au Komunanza bazul ça sangou chapitre 1 à Tite. Après bien mais tout ça ici dans l'église de Dieu
Bible est au service depuis que les apôtres ont passé, depuis que Jésus-Christ était là, on n'a jamais vu des apôtres cités. Mais les lots, tu vas mélanger, on ne sait pas si tu vas voir, puis ce sont quels versets, mais dans le verset, dans la Bible, Bible est salée en côté, puis dans le verset, mais ils ont inventé, ils ont changé l'ordre. C'est pourquoi, tant que Romain Lobby, quand vous changez l'ordre, vous changez la nature, à ce moment-là, beaucoup sont déjà dans le piège à Satan. Alors, il ne faut pas changer l'ordre. Et tout ça, c'est pas l'anzambé, que les animaux là qu'il ne faut pas écouter, ce ne sont pas des animaux yazamba, ce sont des hommes possédés, qu'on appelle des faux prophètes. Ce sont ces gens-là qui viennent avec leurs prophètes. Il y a des faux Christ avec un esprit de démon en train de se manifester dans leurs églises, donner des prophéties, acheter les gens. Tout le monde va Nicolas, comme il y a une carte d'église, il y a une carte d'église, et comme pleinement dans la carte d'église, il y a une carte d'église, il y a une carte d'église, et après, ils viennent se mettre à genoux devant leur pasteur, parce que ce sont leurs dieux. Alors vous trouvez, vous commencez à adorer une créature à la place d'un créateur. C'est pourquoi il faut faire attention. Faut pas se mettre à genoux comme ça devant Bikelam, parce que Bikelam, vous vous trouvez déjà en train d'adorer Bikelam à la place de Dieu. C'est ce qu'on avait à vous dire. Comme il y a encore quelques questions, c'est pourquoi on a essayé un peu de couper pour que tout, quand même, la question est Ezali. Au cours de la question, on a un téléphone, mais soyez apaisés. Nous, on vous donne des versets. Comprendre, ce n'est pas un combat. On n'a pas besoin de débat. Des fois, ça vous fait mal, mais c'est la parole de Dieu. On n'a pas le choix. Dieu nous oblige. On n'a pas le choix. Alors, Papa Pierre, qu'est-ce que vous avez comme question de l'autre côté? Pasteur, il y a un peu de temps pour la matière qui est en train de se faire. Il y a Adam et Ève. Tant aux hommes dans la Genèse, tu as dit que Moumande est là qui est au centre de la tentation. Mais les lots, le col en pomme, il y a des gens qui disent que les pommes sont là qui sont en pomme. Les pommes sont dans le supermarché, sans problème. Les avocats, les mangas, sont dans le La tentation, il y a Adam et Ève, les lots. En quoi ça consiste? Vraiment, la tentation à Adam et Ève, ils ont causé la carte à désobéissance à la parole de Dieu. Tant que nous avons à Ève, c'est que Bango, tout le monde a que Bango, Babou, il y a que tout ça, il y a un peu. Et d'abord, ces fruits-là, au Balobi, on a été dans le jardin d'Eden jusqu'aujourd'hui, Balobi, qui est Kanga, Babengane, dans le jardin d'Eden, pour vous prouver que dans les fruits, tout le monde a l'eau, on a tout le monde a nous yangoté, parce qu'il y a un jardin d'Eden. Désobéissance à la parole de Dieu, puis renverser qui ordre, il y a beaucoup de bango. C'est ce qui a fait que Nzamba s'est fait pour que les gens ne soient pas aujourd'hui, tout le monde a un peu dans le sens que Batulelo, Bazoumi, Koto, Sabanyama, Frère Pierre, Ozana, Oyubipe, au monde a rappelé Batu, Batia, Babilo, Koliboso, Bazoto, Sango, Bafoukamilango, et tout le monde a même Batu, Kwadore, Banyama, Babike Bango, il y a dit, Santala, il y a un Dje Cobra, Batu, Baza, Kwadore, Nzambe, Moko, Cobra. Alors c'est Nzambe, on a Zanyok. Alors c'est faux, vous comprendre que Batu, Badore, Nzambe, Baza, Kwadore, Bikelam. C'est ce qui est fait que les autres sont sur les lots, même dans nos maisons, dans la famille, et Bamibal, Oyubazo, c'est laissé diriger par les femmes, Bazaka Natiri Adam. Donc, on attire à ma bébé, créer ma rabana moukili. Alors, vous allez créer des problèmes dans votre famille et les enfants auront des problèmes. Parce que c'est ce qui a fait que Adam, à toi aussi, moi aussi, il a déjà créé des problèmes. Et toi aussi, ton bébé, on a tout ça, moi, son andako, yo, au dirigeant andako, moi, ça, je dirige, yo. Alors, tu dois pas créer pour moi, tu vas créer des problèmes à tes enfants. Pasteur, merci beaucoup pour la Eyanouana. Au Talisi, Nakatia Matea, que ceux qui m'ont accueilli dans Zo, pour la Kognata, serpent d'ingé, bible, lobby. Après ça, l'erreur grave, mieux que vous soyez. Et puis, tant que vous avez pour nous visiter, tout le monde a eu pour le battre. Mais dans le cas de la matière, que les lots sont belles, mais ils sont des serpents. De quelle façon les lots, nous avons eu dans l'église, à quoi qu'ils sont des serpents, alors que les serpents, Oui, vraiment, au Kumuna, on a Mukanda, Likwe Maché. Donc, Jean-Baptiste a continué à Onzela, a continué pendant qu'on prêchait l'évangile, à Lobby, et il a appelé les enfants de Baba Jif, les races des vipères. Abi, qui vous a appris à fuir la colère? Donc, Abengi Batu, race des vipères. Ces vipères-là, au besoin, ah ouais, ce ne sont pas des vipères, il y a mes temples à aboyer. Ce sont des gens au Bazan, il y a des démons.
Alors, race des vipères, tout le monde a pas fait pour faire que le cabango, tout le monde y est sur la bise, dans mon candidat match. C'est à dire que faux prophète, le coup là-bas, même, baza, même, te bazali, nyama baswa, kaoui, nyamo, balou, bambo, yazamba. Alors, tu comprends que l'apôtre Paul peut attester que non, il y a un serpent qui a été dans le jardin d'Eden, il y a un bateau qui a été dans le jardin d'Eden, il y a un bateau qui a été dans le jardin d'Eden, il y a un bateau qui a été dans le jardin d'Eden, il y a un évangile qui a été dans la Bible. Copier ça évangile, tu comprends que si tu as un évangile qui a été dans la Bible, il y a un bateau qui a été dans le évangile, ou bien à l'ongoli. Muntu anande serpent foko yoka ete yoka ka oyiza na Bible oyo balungul deja abakisi aza serpent moko très dangereux faut faire attention de sa lobi boyoka ete ata sali miracle buke ne pa na ete po ba serpent pe ba sa pe ba miracle ba sala makambu ba sa ka pona ke batu balanda ba pasteur otali sipe lisus kona kati ya famille oyo moi sa zo diriger makambu ko tambola te mais comment expliquer na kati ya église ce qui moi sa zo diriger makambu tambola te quel rapport y a-t-il? Ou vraiment, Nzambe a testé biso awa, selon Nzambe na ordre Nzambe a pesé biso à lobi, na mukande a na Nzambe verset dans Timothée qui pense à lobi, Dieu ne permet pas à la femme de prendre l'autorité sur l'homme ou bien de prêcher à l'homme. Dieu ne permet pas cela. Et depuis le commencement, depuis que les choses ont commencé, on n'a jamais vu une femme en train de diriger, même en Israël, parce qu'on prend l'exemple d'Israël, on n'a jamais vu une femme en train de diriger l'église, une église, tout le monde est sacrificateur, moi, c'est-à-dire aux alatés, tout le monde a toqué dans le Nouveau Testament, il a marché avec des femmes, il aimait beaucoup de femmes, il a monté son amour envers les femmes, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Yesu a pondu moi, si mon côté, parmi les 12 apôtres, même tant que c'est ma loi à Judas, il fallait chercher encore un apôtre pour prendre au 12, on n'a pas touché, on n'a pas pris une femme. Alors, cela a prouvé que Dieu aime beaucoup de femmes, mais a tiré une place dans Bango. Et c'est ce que nous parlons. Je préférerais bien que moi, ça soit la présidente de la République, moi, ça soit la ministre, ça soit la Mokonzi, la PDG, Banini, là, Dieu a libéré. Mais à ce qui concerne l'œuvre de Dieu, à ce qui concerne le mariage, Dieu s'est réservé. Il a dit pour le mariage, il faut que l'homme soit le chef de la famille. Moi, si à Taza présente la République, soit l'ingabala, selon Dieu, a commis, moi, ça, c'est comme ça, avec la parole de Dieu. Et dans une église aussi, les ambassadeurs préféraient que l'homme dirige l'église. Dieu n'a jamais permis à une femme d'être maman Mukambi à l'église. Mais elle a maman Mukambi à maman, mais il y a l'église. Et quand on fait des pareilles choses, ce que même dans Mukambi à 1 Timothée, 1 Corinthiens, chapitre 11, le dit, et Mouyesu Azali Mukunzi à l'église. Et Yesu mukunzi église, abi Nzambe mukunzi Yesu, Yesu mukunzi église, Yesu mukunzi mobali, mobali mukunzi mwasi. C'est comme ça qu'on a dit, ce n'est pas, c'est comme si mobali a tellement comme côté Yesu. Attends, moi ça comme côté mobali, c'est comme ça, c'est le contraire, ça qui bouleverse ordre hiérarchique en Nzambe, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Merci beaucoup pasteur. Tozonga siko na kati ya Genèse, attitude ya Adam tant que moi sinaya proposé ali amuno. Au monité que quelque part Kondima Adam dimaki ezali kotali sa complicité en Nzambe na kati ya bikambo basalaki. Vraiment Nzambe le bien mukandia Jacques chapitre 1 verset 13 bien que ngongeke makasi 13 chapitre 13 verset 13 à 14 le bi Dieu ne tente personne et c'est que quelqu'un quand il est tenté ne dit pas que Dieu m'a tenté Nzambe tantara muntu te Dieu yemo kwa za musanto d'abord Nzambe azo punir batu ba tantara batu yango Nzambe bi si quelqu'un est tenté il est tenté par quand il est attiré par et amorcé par sa propre convoitise. Donc Satan, Adam a payé Azaki a dit la convoitise naïe à côté sa moi c'est qu'il achetait naïe. Dieu n'avait pas de choses à faire là-bas, ce n'était pas les pommes de Dieu. Merci beaucoup pasteur. Que Dieu vous bénisse, le bien-aimé, vous nous suivez partout où vous êtes, na Internet, que Dieu vous bénisse, vous l'avez vu sur na Desas TV chaque matin, vous trouvez notre nom là-bas, branché, si vous écrivez sur l'Internet, Pasteur Charles Kamou, ma application c'est comme on a na Google ou bien na YouTube, et il y a des gens qui sont partout, dans les messages, au YouTube, mon frère, ma soeur, soutenez cette émission, vous avez souvent hésité, n'a coupé ça, ou hésité, n'a coupé ça, bien-aimé, prenons ça, mais prenons ça, quand il y a faux. Ce que qui battu à serpent va prêcher là, tu vas soutenir. Mais quand on vous prêche la parole de Dieu, il vous est très difficile de soutenir. Mais que Dieu vous bénisse. Zambé Asungayo, c'est l'église qui tient le chemin du salut. Où ils en avaient nous numéro 315. Vous avez notre adresse. Appelez le pasteur Charles. Soutenez le pasteur. Qu'est-ce que vous faites, bien aimé? Pourquoi vous ne voulez pas soutenir cette émission? C'est la vérité. Vous comprenez? Vous êtes très sûr qu'on prêche la vérité, même si ça fait mal, mais c'est la vérité. Les gens, d'autres personnes, on prêche les mensonges. Maintenant, quand on vous prêche la vérité, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Vous avez
votre Bible, vous lisez, vous comprenez que ce n'est pas moi qui est en train de prêcher, c'est la parole de Dieu. Moi, je suis rien. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Na pambuli bana le chemin du salut, surtout ceux qui soutiennent cette émission. Na pambuli bana de konyoso, ba misana ko sala ngamu sala. Oyo nzamba pambula bino, poto partout ce que vous allez na États-Unis, Allemagne, mikolo bana le biso makasi na France, que Dieu vous bénisse, Royaume-Uni, que Dieu vous bénisse na internet bana le biso makasi. Nzamba pambula yo, vraiment vous allez outre na kimia, to komi na suka émission, c'est longtemps que ce biso to komi na suka, utika la malamu, lokola na nzambe za na yo, nzamba pambula yo na kombo na Yesu Masia. Bye. Bye. Salanga na kukakateo mabena kubuya yangu.